retrouve pour une nouvelle vidéo et plus spécialement un vlog. Je vais vous faire voir comment je fais des shootings avec Iris et plus précisément sur un shooting de Pâques. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous pour voir comment ça se passe, si vous êtes curieux, si vous avez envie aussi de prendre des photos avec votre animal. Mais voilà, je vais vous faire voir quelques astuces et voir comment je procède. Et ça tombe plutôt bien parce que là on est sur un shooting à thème qui est sur le thème de Pâques. Donc vous allez voir tout ça, donc vous allez me suivre dans cette aventure et c'est parti. Donc vous allez voir, c'est pas de tout repos de faire des shootings avec Iris. Parfois ça va très très vite et parfois il faut un peu plus de temps, mais il faut quand même savoir respecter les limites de son animal. Généralement c'est pas plus de 30 minutes avec Iris, ou alors il faut faire des pauses ou il faut attendre, mais pas plus de 30 minutes. Et de toute façon je connais bien les limites de ma petite Iris. Oh, elle est trop mignonne. Ah, le mot de trop. Je voulais aussi ajouter que faire un shooting, déjà il faut être patient avec soi-même et avec son animal, mais mettre en place aussi des récompenses. Et avec Iris, c'est une petite friandise, même si parfois elle abuse de trop et c'est elle au final qui me manipule. Voilà, je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui, mais c'est toujours sympa de faire des photos à thème et tout, c'est très inspirant. Et souvent Iris me donne des idées. Oui, c'est vrai, elle le dit. Je vais vous montrer les accessoires que j'ai achetés pour faire le thème Pâques. Évidemment, je recycle toujours ce que j'ai acheté dans les années précédentes, mais il y a des moments où j'ai envie de changer. Et donc cette année, j'ai acheté quelques petits trucs en plus. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Il y a cet œuf que j'ai moi-même customisé. Des petites oreilles de lapin lint, des petits trucs comme ça, des mini pancartes, un petit support en mousse. Et ça c'est ce que j'ai pour faire le shooting. Donc ça c'est pour l'arrière-plan. Bon, dans cette caisse il n'y a pas que Pâques, mais on a les petites oreilles, c'est trop mignon ça. Pour Iris, ça c'était le tout premier accessoire que j'ai acheté. C'est un petit sac. Évidemment, le petit panier avec les œufs de Pâques. Il me semble. Et on a encore des œufs de Pâques comme ça. Qu'on peut facilement piquer. Je sais pas encore trop ce que je vais faire avec tout ça, mais va falloir y aller quoi. Voilà, comme vous voyez, c'est de cette façon que je fais les genres de shooting. Iris est prête. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Il y en a une qui est contente.
Bien sûr, pour attirer Iris lors des shootings, j'utilise des friandises. Tout le monde, du coup je vous reprends le lendemain parce que j'avais plus de batterie sur la caméra, mais du coup je voulais vous dire que j'utilise pour les shootings des petites friandises de la marque Moment, et en fait ce sont des friandises lyophilisées et du coup c'est pas trop gras. Iris qui bouge la caméra, du coup c'est pas trop gras et surtout ça ne sent pas très fort sur les mains, parce que quand on fait des shootings c'est pas très agréable de prendre son matériel et tout en sentant le ton ou quoi, mais très très pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées comment faire des photos avec votre chat. Évidemment il faut que votre chat soit d'accord, Iris elle est habituée maintenant depuis quelques années, et respecter ses limites malgré tout et trouver des astuces. Moi c'est les friandises, des fois c'est un peu le jeu mais c'est très rare, mais je sais qu'il y a des chats qui aiment jouer avec des petites cannes à pêche et tout pour avoir des réactions. Donc voilà, à voir à la personnalité de votre chat de trouver des petites astuces. J'espère que ce vlog vous a fait plaisir, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir et de vous abonner si ce n'est pas fait. Avec Iris on vous fait des gros bisous. Elle est juste ici.